Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armée de lumière, couronnée d'éclats. Soyons sur la terre au chapitre 47, psaume chapitre 47, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 47. Psaume chapitre 47, nous lisons la parole du Seigneur. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur toutes les nations. Dieu a pour siège son saint trône, les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois. Les nations s'abaissent devant lui. Les nations s'abaissent devant lui. Jésus-Christ, le tout-puissant. Jésus-Christ, le tout-puissant. Tout le monde s'abaisse devant lui. Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ, le bon berger. Tout le monde s'abaisse devant lui. Les maladies s'abaissent devant lui. Les prophètes s'abaissent devant lui. Les apôtres s'abaissent devant lui. Les pasteurs s'abaissent devant lui. Les bon berger, Jésus-Christ, le roi des rois. Tout le monde s'abaisse devant lui. Tout le monde s'abaisse devant lui.
différents dieux, notre Dieu. Nous nous abaissons devant toi. C'est vrai et toute langue confessera que tu es Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom encore ce soir, mon Sauveur. Merci encore pour ton amour à notre endroit, pour tes compassions à notre endroit. Alors nous avons trouvé grâce devant ta face, mon roi, d'être visité encore ce soir. Seigneur, merci vraiment, Père Dieu, parce que nos cœurs se réjouissent encore dans ta présence glorieuse. Aujourd'hui encore, mon roi, et réjouis nos âmes davantage, mon roi. Tu les fais parce que tu es réellement notre Père et notre Dieu, Seigneur. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, mon bien-aimé, Seigneur. Il n'y a point d'autre consolateur que toi, mon bien-aimé, Seigneur, mon Dieu, qui nous donne la vie, bien-aimé, Père Saint-Dieu, qui nous console, mon bien-aimé, Père Tibissant, qui nous fortifie encore davantage, mon roi. Nous tenons, Père Tibissant-Dieu, parce que tu es vivant, mon Seigneur. Merci pour ces instants bénis, Père Dieu. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Louange et honneur à toi. Inspire encore davantage, mon Sauveur, parce que nous voulons vraiment te louer. Nous voulons vraiment t'adorer, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons que ce cœur puisse réellement être rempli de l'amour pour toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, te louant, te chantant, te glorifiant, Seigneur. Père Saint, c'est ce pourquoi nous sommes dans ce monde, mon roi, pour témoigner de tes merveilles, bien-aimé, Père Saint-Dieu, afin que les hommes puissent se rendre compte que toi, tu es vraiment vivant et que tu vis encore aujourd'hui. Merci pour le psaume. Merci réellement aussi pour les prières qui sont montées devant ton trône de grâce, pour ton peuple qui a chanté, pour la chorale qui a chanté, pour les enfants qui ont chanté, Seigneur, pour nos sœurs et nos frères, Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi encore, mon bien-aimé. Merci pour les instrumentalistes, mon bien-aimé, Père Tibissant, qui ont joué et qui jouent encore pour ta gloire, pour la technique aussi, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Seigneur, merci vraiment pour cette main bénissante que tu as posée sur nos pères, en nous donnant autant de dons, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions les mettre à ton service, à toi, Père. Je te suis vraiment reconnaissant pour cela. Sois exalté encore ce soir. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion dans chaque endroit, dans chaque lieu où se trouvent encore ce soir. Seigneur, que ta main puissante soit sur eux pour le protéger, le bénir encore davantage. Merci d'avoir donné autant de frères et de sœurs aussi, Père. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié et exalté. Nous lui sommes reconnaissants pour ce soir et la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Que Dieu vous bénisse avec autant de joie d'avoir chanté pour sa gloire. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu parce que ses bontés et ses compassions sont innombrables. Et nous nous accrochons vraiment à lui parce que nous savons qu'il est compatissant. Là en la colère, il est aussi riche en bonté. L'Éternel est celui qui te garde. Oui, il nous protège, il nous soutient. C'est pour ça que nous nous restons attachés fermes à lui. Parce que nous le connaissons, nous savons qui il est et nous savons aussi comment aussi il agit aussi et de quelle manière aussi il opère aussi parmi son peuple. Nous voulons qu'il nous aide encore davantage à lui rester fidèle et attaché véritablement à lui et que sa parole trouve toujours de la place vraiment en abondance dans notre cœur. Nous voulons que ce cœur ici soit vraiment un terrain de friction pour que le Seigneur trouve vraiment plaisir de pouvoir réellement aussi s'aimer, comme il a eu à pouvoir aussi rendre témoignage de Job, nous le disons si souvent, que le Seigneur aussi rende témoignage de nous. Nous lui supplions pour cela, afin que réellement nous puissions trouver grâce, afin que toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes à sa volonté, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre pensée, que le Seigneur nous aide à ce que cela soit complètement ôté. C'est pour cela que nous le supplions de pouvoir nous sanctifier. Vraiment, nous en avons vraiment besoin parce que la Bible en témoigne que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur et ne pourra le voir. C'est pour cela que nous le supplions aussi et nous-mêmes aussi, nous faisons tous nos efforts pour que nous puissions être trouvés conformément à sa volonté. Dans un monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avec cette dépravation, parce qu'il n'y a plus rien, effectivement, si même dans la morale humaine, il n'y a rien du tout, tous sont tournés vers le mal. Satan s'est maintenant déployé avec force, et ses démons ne se cachent presque plus, parce que tous les âmes se tournent maintenant vers le satanisme,
Et d'une manière aussi claire, les gouvernements, ils sont aussi dedans. Tous les pouvoirs, toutes les décisions qu'on prenne aujourd'hui ont toujours être dans cette tendance toujours vers le mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mal est considéré comme étant le bien et le bien est considéré comme étant le mal. Les ténèbres s'est apaisanti vraiment sur la terre. À moins que, bon, ce sont les gens qui ne sont pas spirituels, qui ne peuvent pas le voir. Mais je crois que si moindre, si peu qu'on soit spirituel, petite soit-elle, cette possibilité de l'être, on peut voir quand même que le monde est vraiment dans les ténèbres. Et vraiment, ça s'est pesanti davantage et de plus en plus. C'est pour ça que lorsque nous regardons vraiment dans les âges, et ça c'est vraiment la vérité, même si on est aveugle, on peut quand même arriver à pouvoir sentir que c'est sûr et certain que ça ne va pas du tout. Lorsque l'on regarde les âges, effectivement, on considère effectivement, comme nous l'avons eu l'occasion il y a quelque temps de cela, à considérer un peu les âges, on voit très bien, et que c'est là vraiment aussi vrai, que lorsque ça commençait avec l'âge d'Éphèse, on a pu voir la grande lumière qui était vraiment là, qui était vraiment puissante, agissante encore effectivement aussi dans le temps, jusqu'à ce qu'une tâche a commencé qui était en fait les nicolaïsmes. Ce que je pense que vous vous souvenez, c'est que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, effectivement, si vous connaissez cela. Et puis, les nicolaïsmes aussi qui ont commencé. Et alors, nous voyons que progressivement, ça commençait à pouvoir prendre l'ampleur, effectivement. Ça, c'est l'intellectualisme, en fait. Et ça a commencé depuis ce temps-là parce que c'est ce que Satan a introduit, effectivement, dans les hommes, effectivement, aussi, sur la terre aussi, le raisonnement sur ce que Dieu a eu à pouvoir, effectivement, aussi dire. C'est pour ça que ça a commencé à ce moment-là, effectivement, aussi, avec ces nicolaïsmes, et que vous pouvez voir, effectivement, comment ça a évolué. Souvent, ce qui est vraiment triste, c'est que l'homme n'apprend toujours pas, et surtout le croyant, mais les vrais croyants, les fils de Dieu, quand les seigneurs leur parlent, ils prêtent attention et ils enregistrent, effectivement, ils comprennent et ils prennent aussi garde à ce que le Seigneur dit. Mais tandis que les autres, effectivement, c'est toujours ça le problème. Donc ça se répète toujours, en fait. Si vous remarquez très bien, vous pouvez voir, effectivement, comment ça a commencé. Satan est vraiment très fin. C'était simplement quelque chose qu'on pouvait regarder comme si ça, c'est pas grave, c'est rien du tout. Regardez, je vais juste lire cela simplement. C'est dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Juste lire cela, vous pouvez remarquer cela. Hein, je pense que c'est Apocalypse au chapitre 2. Il dit ceci. Je pense que c'est cela. Oui. Il dit ceci. Verset 4, il dit. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Vous souvenez précisément ce qui fait que l'amour puisse arriver à pouvoir se refroidir. Bon, nous l'avons lu avec vous dans le livre de Matthieu, chapitre 24. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand vous êtes dans la maison du Seigneur et que la parole nous soit donnée, ça s'imbrique toujours. Ce n'est pas qu'on écoute aujourd'hui, on oublie et puis demain on va passer à autre chose. Soyez spirituel. Donc le Seigneur a filé les continuités en fait pour les élus. Et c'est important que vous soyez attentifs. Les autres écoutent pour aujourd'hui et puis ils pensent que maintenant Dieu continue en fait. Il faut que les choses soient en place. Il faut que nous soyons des hommes faits. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Elle doit, parce que Dieu nous le donne, c'est parce qu'elle doit prendre sa place en nous, en fait. Et cette place, effectivement, c'est celle qui a été dedans. C'est la place que la parole a été destinée pour qu'elle prenne place. Nous l'avons entendu aussi, nous l'avons parlé, parce qu'avant que le monde soit, nous étions quelque part. Donc tout ce que nous avons doit être restauré, restitué, effectivement, on doit, c'est ça la restauration, frère. On doit récupérer notre position. Donc, tout ce qui nous a manqué dans ce monde, effectivement, tout ce qu'il y a, c'est extraordinaire que Dieu nous aide davantage. Alors, dans Matthieu, au chapitre 24, nous l'avons lu avec vous. Il nous dit ceci, donc, nous pouvons retourner effectivement aussi à cela, afin que nous puissions voir.
Matthieu au chapitre 24. Il nous dit ici, je pense que c'était au verset, voilà. Merci. Verset 11, il nous dit ceci. Matthieu 24, verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous vous souvenez? Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, donc, c'est l'amour. Et vous savez bien, c'est pas cet amour, effectivement, philo, vous le savez. Hein. Quand on parle de la charité, vous le connaissez quand même. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, on nous dit effectivement ce qui naît. Et il est tout à fait différent, en fait, de ce que charnellement on peut éprouver. C'est cet amour de la parole de Dieu. Parce que l'amour de la parole de Dieu produit toujours l'amour pour le Seigneur et produit aussi l'amour sincère pour ses frères et sœurs. Il n'y a que la parole de Dieu. Mais quand vous avez l'interprétation, quand autre chose s'église effectivement, alors ça crée des problèmes. Il n'y a plus cet amour parfait. Donc l'amour divin avec cette flamme de Dieu, parce que quand cet amour est dans votre cœur, vous avez la flamme qui brûle tout le temps. C'est pour ça que, vous me suivez? C'est pour ça que l'écriture va plus loin et il ajoute quelque chose de merveilleux et qu'il a en continuité, pour ajouter en continuité, il dit, aimez-vous alors ardemment. Vous entendez bien? Il ajoute ardemment. Parce que, pour quelle raison? Parce que vous êtes nés de la parole. Vous êtes nés de nouveau. La parole de Dieu a pris place, effectivement. Donc, c'est pas un amour simplement, petit peu, non. C'est vous sentez cet élan d'aimer la personne, de faire du bien pour la personne. En fait, vous n'attendez rien de la personne. Mais c'est vous qui sentez cela en vous. Vous voulez lui donner. C'est pour ça qu'on a vu cela le jour de la Pentecôte. Hein. Et c'est comme cela, effectivement, aussi. Donc, alors, quand on a reçu vraiment le Seigneur de notre cœur dans cet empressement, quand la vérité a frappé notre âme, mon frère et ma soeur, nous étions prêts à donner tout ce que nous avions. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, il fait l'éloge, en fait, de tout ce bien-aimé, parce que il ne s'accrochait qu'à la parole de Dieu, frère et soeur. Vous savez que le message était, c'était effectivement l'apôtre Paul, vous le savez, comme Et cet homme, il n'apportait que la parole de Dieu, effectivement. Et comme les disciples, effectivement, à ce moment-là, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Ouais. Ils n'avaient pas les oreilles tournées à gauche et à droite, effectivement, comme aujourd'hui, effectivement. Il y en a tellement tout plein. C'est ça. Satan est vraiment rusé, en fait. Et alors, et eux, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans cela, effectivement, parce que ils étaient eux les dépositaires, en fait, de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit que, enseignez-le à observer tout ce que je vous ai donc. C'est cela. Parce qu'ils avaient un dépôt, en fait. Le Seigneur les avait donné. Ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient que 11, je pense. Parce que le 12e, vous vous souvenez? Ils étaient très peu nombreux, mais ils avaient ces deux auxquels ils avaient été pour. Et c'est comme ça que, alors, aussi, quand le Seigneur a eu à pouvoir agir aussi dans Paul, comme vous le savez, comment Paul était dans la tradition de ses pères, effectivement, on dit un pharisien, convaincu pharisien. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, de révéler à moi son fils. Je ne peux plus annoncer encore d'interprétation ou quoi que ce soit, mais en fait, je l'annonce parmi. Alors, il a eu à pouvoir réaliser effectivement qu'est-ce qu'il devait faire. Et maintenant, il avait vraiment reçu la parole. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est notre Père et notre Seigneur, il est vraiment fidèle, effectivement. Comment il conduit ses serviteurs? Il reste vraiment dans sa lignée, en fait. Vous avez remarqué comment que l'apôtre Paul il dit dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, il dit quelque chose. Il dit, j'ai reçu du Seigneur, pas de quelqu'un d'autre,
Qu'est-ce qu'il a reçu du Seigneur? Parce que c'est ça qui est toujours très frappant, très étonnant. C'est que je vous ai enseigné. Vous entendez maintenant? J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ah. Le Seigneur avait enseigné ses disciples. Vous vous souvenez? Pierre, Jean et tout cela, ce qu'il a dit, mon. Et enseigneur, vous savez tout ce qui vous est prescrit, effectivement, aussi. Et alors, lui, l'apôtre Paul, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai. Et puis, il dit, le Seigneur, regardez très bien, vous pouvez voir cette manière de pouvoir montrer des choses. 1 Corinthiens, chapitre 11. Je pense que c'est ça. C'est 21. C'est ça. Verset 23, il dit. 1 Corinthiens 11, verset 23, il dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous suivez? Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Mais Paul n'était pas là. Vous vous souvenez, c'était dans Matthieu au chapitre 25. Il n'y avait que Pierre, Jean et les autres, effectivement, ici, quand il a pris, et puis déjà, le fils de la prédiction s'était déjà éloigné. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez encore, nous l'avons entendu ici, non? Donc, il était resté avec eux, effectivement, dit, donc, Paul n'était pas là. Mais regardez comment le Seigneur l'a ramené à ce qu'il reçoive le même enseignement que les autres. Même des bouts, en fait. Ce que le Seigneur, à la nuit, effectivement, parce qu'il nous dit, même ici, je continue de dire, le Seigneur, donc, quand le Seigneur, dans la nuit, où il fut pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps. Mais il n'était pas là. Quand il le disait, donc le Seigneur l'a enseigné aussi, effectivement, comme il a enseigné ainsi aussi, Pierre et Jean, effectivement, aussi, pendant qu'il était avec vous. Vous souvenez? Vous me suivez? Donc, cet homme ici, c'est pour ça que quand il est allé voir, 14 ans plus tard, après avoir prêché là où il est allé voir, en fait, effectivement aussi, Pierre et Jacques et cela. Vous vous souvenez? C'est dans Galates, il a dit. Il dit, pour ne pas avoir couru ou couru en vain, je vais quand même vous le lire, c'est dans Galates. Il dit dans Galates, effectivement, il dit. Galates, je pense que c'est cela. Hein. Voilà. Chapitre 2. Il dit. 14 ans après, je montai donc de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, Galates 2, verset 1, Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Vous avez entendu ça? Il dit, il n'a pas été voir d'autres personnes, mon frère et ma soeur. Mais il a été voir effectivement ceux-là qui étaient considérés comme étant des colonnes, qui ont eu l'expérience, qui ont été avec le Seigneur. Et puis il nous continue, il dit ici, il dit, je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Cet homme était sage. Parce qu'il savait très bien que, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il était sur la terre, il a été avec, il connaissait cela, il connaissait effectivement. Et ce n'est pas que par ses émotions que je vais aller comme maintenant, aller peut-être, non, mais c'est par révélation que le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Pour que eux aussi aient la confirmation de qui est Paul, effectivement. Parce que c'est le Seigneur qui l'a visité aussi. Et puis, il continue ici en nous disant, on dit, enfin, il n'a pas couru, avant que m'avait dit, mais Tite qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circonscrire. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient donc furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont le plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis comme à Pierre, pour les circoncis, effectivement, ainsi de suite. Donc, on voit que quand ils ont eu à pouvoir entendre, effectivement, ce que
Paul prêchait pendant qu'il était, et que eux qui ont été avec le maître, ils ont trouvé qu'il prêchait exactement le même évangile que les maîtres avaient enseigné, effectivement. C'est comme cela qu'ils ont eu à pouvoir, effectivement, donner la main. C'est pour ça aussi que l'apôtre Paul aussi dit une chose ici, dans Corinthiens, chapitre 15, que nous citons si souvent, que nous lisons. Il dit, verset 1, il dit, « Je vous rappelle donc, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, pour autant que vous l'obtenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru donc en vain. » Vous entendez? « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. » Donc effectivement, il montre clairement d'une manière assez précise pour que la foi de ce peuple de Dieu, effectivement, ne soit pas fondée sur les hommes, comme il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 aussi, ne soit pas sur la persuasion des discours humains, effectivement, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu, en fait, que votre foi soit fondée sur Dieu lui-même, effectivement, aussi. Parce que ce que je vous ai enseigné, je l'ai aussi reçu du Seigneur. Alors écoutez bien, on continue, il dit, que Christ, notre Seigneur, et que Christ est mort pour nos péchés, selon donc les Écritures. Qu'il a été donc enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moins des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que je persécutais l'Église de Dieu ainsi. Donc, il montre effectivement le cheminement de ce qu'il a eu à pouvoir réellement passer, parce que ce qui était important, c'est ce que le Seigneur, lui, avait donc donné à ses disciples, effectivement, ce qu'il leur avait donc enseigné pour que cela soit enseigné. Je vous l'ai dit ici. Vous savez, la lettre est dure, mais l'esprit vivifie. Ses disciples étaient bien enseignés, mais le Seigneur ne les a pas laissés avec cela pour pouvoir aller prêcher dans le monde. Non. Ils savaient très bien que s'ils allaient comme ça, ils allaient aussi commettre des dégâts. Il est sage. C'est pour ça qu'il leur a dit, attendez jusqu'à ce que. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils reçoivent la même puissance, donc le même esprit, pour les garder dans les saintes écritures. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous garder dans la parole. Sans le Saint-Esprit, c'est comme ça que les hommes ont des interprétations. Parce qu'ils ont l'inspiration humaine, et ce qui est humain vient toujours de Satan. Parce que nous devons vraiment être dans une position où nous soupirons après les choses qui soient importantes pour nous. Ne courons pas après des choses inutiles. Et c'est ainsi que, nous vous le disions tout à l'heure, vous pouvez voir que quand cette parole de Dieu, la même avec la puissance de Dieu en elle, parce que la Bible dit que au commencement de la parole, en elle était donc la vie. C'est donc cette vie qui fait vivifier donc la science. C'est vrai, non? Donc, sans le Saint-Esprit dans la parole, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que il fallait qu'ils le reçoivent, effectivement, que la puissance soit manifestée, que quand il apportait cette parole, ce n'était pas avec la logique humaine. C'est pour ça que Pierre l'a vraiment bien dit, qu'il m'a dit, non, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, avec notre habilement conçu dans notre conception, effectivement. Mais c'est poussé toujours par le Saint-Esprit. Vous voyez, Alexandre? Que les hommes saints de Dieu ont parlé de la part, donc, de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit prend la parole, lui-même, pas un homme, il la place à sa juste place.
Et ça crée une explosion dans le cœur de croyants. Ça le ramène lui-même. Il dit, oh Jésus-Christ, mon roi, tu es grand. Le Saint-Esprit ne pourra jamais pousser le peuple à adorer un homme. Non. Il vient pour que la gloire revienne à l'auteur. Pour démontrer que l'auteur est le meilleur. Il est le meilleur docteur. Il est le meilleur enseignant. Oui, mon frère et ma soeur. Quand lui prêche la parole, notre cœur brûle toujours au-dedans de nous. Alors la parole prend vie. Nous sentons que là, nous prenons la décision. Seigneur, alléluia, mon âme est touchée par toi. C'est pas l'âme, mais c'est toi qui m'as touché. Alors tu te donnes ma vie, effectivement. Alors tu es prêt à donner tout. Ce qui s'est passé lorsque l'apôtre Paul a porté la parole, c'était Christ en Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que lui qui veut toujours faire son œuvre, il a dit, si qu'on sent à donner seulement sa vie, il verra une postérité et il va prolonger ses jours. C'est pour ça, ce ne sont pas des hommes dont nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit, en fait, dans les hommes. Pour nous conduire dans la vérité et dans toute la vérité. Parce qu'il est la vérité. Nous sommes des hommes sujets à beaucoup d'erreurs, avec beaucoup de pensées. Effectivement, il faut que la vérité lui-même vienne nous enseigner la vérité. Comme il a dit, la vérité ne sortira pas de ma bouche à moi, mais de sa bouche. Il dit, la vérité sort de ma bouche. Et Dieu a toujours raison. Et ça, c'est pas pour la complaisance, mais la Bible est vraie. On se connaît. Il dit que tout homme soit reconnu pour roi. Et ça, c'est 100% vrai. Que Dieu seul soit connu pour vrai. C'est pour ça que nous devons nous attacher à Dieu. De la voir comme... Alors, quand la parole de Dieu nous est donnée par la puissance du Saint-Esprit et touche nos cœurs, vous l'avez remarqué aussi, hein? Oh, homme, que ferons-nous? Parce que ce n'était pas les hommes. C'était le Saint-Esprit qui est descendu. Et qu'il a pris la parole, effectivement, parce que ils ont été touchés. Parce que Pierre lui-même ne se rendait pas compte. Je pense bien qu'il ne se rendait pas compte parce qu'il était galiléen, mon frère. Il parlait en galiléen. Il ne se rendait pas compte que toute la foule qui était là l'entendait chacun dans sa langue maternelle. Il n'avait pas le droit de dire, les gens m'entendent. Non, non, lui parlait les galiléens comme moi je parle français. Mais le Saint-Esprit, frère, tellement qu'il était là remplissant l'homme. C'est ça l'homme, effectivement. Et tous les hommes entendaient dans leur langue maternelle. Pierre ne peut pas le faire. Non, pas du tout. Ils ne connaissaient même pas leur langue. C'était l'auteur de la parole. La puissance. C'est pour ça qu'il leur dit, effectivement, dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Et ce qui fait le froid, en fait, dans les églises, ainsi de suite. Ces ailes, en fait. Le mélange, en fait, que nous avons eu à pouvoir. C'était pas l'apôtre Paul, non. C'était le mélange qui venait à gauche et à droite. Et les gens entendaient. C'est pour ça que quand vous voyez, vous êtes toujours avec un frère, une servante, ensemble, vous aimez. Et puis quelqu'un va dire du mal de toi auprès de cette sœur-là ou ce frère-là. La même sœur ou le même frère qui avait toujours la joie de pouvoir te voir quand il vient te sourire. Et tu vois, il commence à pouvoir te regarder, mais il devient hypocrite en ta présence. Il a tellement entendu des choses erronées que son amour à ton endroit a changé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, il était un amour tout à fait... Oui, avec autant d'empressement, tu n'y avais pas de mal à penser, mais quand tu as commencé à tendre ton oreille, il dit, oh, tu sais ce que le frère a fait, et ce que le frère là que tu aimes, le Dieu que l'a fait, et puis tu vois ta change, ton intérieur a été souillé. Parce que tu as tendu ton oreille à l'extérieur. Si simplement tu avais l'air, regarde simplement, oh Jésus-Christ, mon roi, nous t'aimons. Et c'est vrai, frère. C'est ce qui nous manque beaucoup, en fait. Mais on ne fait pas attention. Et on court, effectivement, sans se rendre compte de quelle direction nous allons, en fait. Et leur dit, d'abord, regardez comment il les a loués, d'abord, nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 2, hein, ce que nous avons lu.
pour voir que le Seigneur connaît, il voit le cœur, il voit tout, effectivement, il sonde la rein, le cœur, et il dit ici, chapitre 2, merci Père, verset, il dit, écris donc à l'ange de l'église de Phèse. Vous connaissez, non? Quand on a eu à pouvoir voir cela, dit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. On ne peut pas ignorer qui c'est. Hein? Je connais tes œuvres. Voilà comment il est lourd. En fait. Il fait l'éloge en fait. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Tu l'étais, mon frère. Tu étais mince. Lorsque tes oreilles étaient simplement tournées vers le Seigneur, ce qui te disait, tu avais la capacité de voir faire des choses impossibles. Tu avais cette force-là que tu t'es levé et tu dis, mais puisqu'il a dit, comme Josué et Caleb, tu ne raidais même pas les fils d'Anak qui étaient devant de toi, non, pas du tout. Mais aujourd'hui, tu es devenu comme Samson dont on a percé les yeux. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. Samson, quand il était dans sa position, qui gardait sa chevelure parce qu'il ne pouvait pas couper cette chevelure-là. C'était les secrets de sa force. Oui. Et quand il marchait, effectivement, il savait qu'il n'y avait aucune personne devant lui, aucune puissance qui pouvait arriver à pouvoir le mettre. Non, 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 non. Samson savait parce qu'il avait. Vous savez, mon frère et ma soeur, la prière de la foi est c'est une puissance. Et ça, en tant que fils et fille de Dieu, vous l'avez. Frère, ce ne sont pas des théories que nous avons. Nous avons la réalité en fait des choses. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas une théorie, ce que tu es là. Mais les jours où tu avais compris que tu l'avais, quand la parole t'a touché, tu t'es levé. Tu peux même traverser les océans. Parce que tes oreilles et tes yeux n'étaient fixés que sur lui. Tu n'écoutais que lui. Tu n'obéissais qu'à lui. Tu ne regardais pas quelque chose d'autre. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Je connais ton travail. De lisons, parce que bon, le temps avant ceci. Je connais tes œuvres. Les œuvres que vous faisiez sans compter, mon frère et ma soeur. Oui. Personne ne comptait ce qu'il voulait. Non, frère, on est allé loin, en fait. Tellement les raisonnements sont entrés, on compte même pour ce qu'on doit faire pour Dieu. C'est ça qui est grave. On commence à discuter, justifier. Frère, nous étions de ceux-là. On pensait, l'empressement était tellement, on regardait même, il y avait tellement, vous savez, nos yeux étaient tellement si purs, rien que pour Dieu. On pensait plus rien, Seigneur, tout ce que je suis, les voici. On n'avait pas à supplier, frère, tu peux, frère de nous, chacun, vous voyez, c'était comme ce jour-là, Pentecôte, oui, frère. Chacun se sentait que, ah, pour Dieu, je dois faire. Il ne venait pas pour qu'on le voie, non. Pour Dieu, pour Dieu. C'est comme ça que vous étiez à l'époque. Aujourd'hui, vous calculez ce que vous devez faire, sortir de votre portefeuille. Frères et sœurs, on n'était pas comme ça à l'époque. Je parle bien de ceux qui ont été touchés parce que vous y étiez, quelques-uns parmi vous l'étiez. Donc, à l'époque, on n'était pas comme ça. L'évangile a touché notre âme et tout ce que nous avons pour des frères. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Oui, on ne calculait même pas pour un frère, pour une soeur. On faisait le maximum qu'on pouvait faire pour la personne, même si ne le considérait pas. Et c'est vrai, nous avons vécu ces choses, c'est vrai. C'est ça qui nous a cimenté dans les choses de Dieu, parce qu'on a expérimenté cela. Oui, ça, c'est important, ça. Et aujourd'hui, regardez, dans quel état on se trouve, en fait. Ah, chrétien psychologue.
avec la psychologie dans la tête. On va me dire, ah, d'abord, moi, je ne comprends pas pourquoi toi, un chrétien ou une chrétienne, tu vas aller chercher à voir un psychiatre ou un psychologue. D'abord, un psychiatre, c'est un fou. Les gens vont me détester, mais c'est vrai. Pourquoi allez-vous voir un psychologue? Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui peuvent aller voir un psychologue. Mais toi, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Non, on m'a conseillé d'aller voir un psychologue. Un petit peu dans l'école, il y a un fou qui est venu, qui a jeté les pierres dans la tête. Ah, oh, tous les étudiants, toute la classe, on va faire appel au psychologue. Je ne sais pas, frères et sœurs, quand même, même si on est quand même devenu tellement plus bas, on va me considérer comme étant un malade et un fou, peut-être un monsieur, mais il n'y a pas de problème. Mais posez-vous un peu la question. Dans les années passées, je ne sais pas moi, les années 30 ou 20 ou 40, je ne sais pas moi, 50, effectivement, est-ce que les gens ont fait un petit bout comme ça? Alors, à ce moment-là, tous ceux qui sont passés par la guerre de 14-18 devaient avoir tous voir un psychologue. Alors, si on a eu le 40-45, tout le monde devait être les psychologues. Ah non, parce que c'est ça, parce que parce qu'aujourd'hui, un petit les psychologues à l'école, les psychologues. Et puis moi, je dis, pourquoi toi, un frère, une soeur, tu vas voir un psychologue? Bon, ne faites pas venir me voir dans mon bureau pour m'expliquer vos histoires. Je n'ai pas besoin d'un psychologue, parce que vous allez dire, ah, frère, vous, je prêche la parole de Dieu. Parce que, comment, toi d'abord, tu es un fils de Dieu. Lui, un psychologue, il est fils de qui? Vous le savez, non? Moi, je sais pas. Alors, avec votre diable, oh frère, vous pouvez vous justifier, c'est pas mon problème, justifiez-vous. Mais moi, je vous ramène dans la position dans laquelle Dieu nous place. En tant que fils. Vous-même, vous vous privez de pouvoir être fils de Dieu. Vous vous rejetez quand vous êtes en discuter. Oui, frère, tu comprends pas. Moi, je comprends pas quoi, frère. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas résoudre, qu'un homme va résoudre? Je ne sais pas, moi, vous voulez toujours m'expliquer, vous justifier. C'est là qu'on comprend effectivement que faut vous poser la question de quelle sémence êtes-vous? Je ne sais pas. C'est devenu commode, hein. Au travail, vous avez un problème, effectivement, on donne toutes les formules et qu'on en est dedans. À l'époque, effectivement, dans ces contextes-ci, les hommes étaient robustes, hein. Très robuste, hein, ils n'avaient pas ce qu'on appelle des burn-out. Hein. Seigneur, aide-nous. Et voilà où le monde a fini. Hein. Il était des hommes. C'est pour ça que les gens qui ont vécu à l'époque, par exemple là, et qui étaient nés dans les années 30, 40, je ne sais pas comment ça, ils vivent jusqu'à aujourd'hui encore. Hein. Ils sont encore forts. Mais. Les jeunes des années qui sont venus ici, ils sont plus vieux que c'est le vieillard même. Ah ben ouais, ils savent même plus tenir parce que leur corps, c'est normal. C'est normal, c'est nanana. Ils ont des burn-out, le beurre de burn-out. Ils ont tout ça au travail. Ah, je ne viens pas au travail, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Jean Gabin, il a le burn-out. C'est normal, tout est sans dessus et sans de ça, effectivement, aussi. Je termine. Alors, je continue avec ça. Il dit, je connais donc tes œuvres. Nous le disions, hein. Ces œuvres que tu faisais avec beaucoup d'empressement, beaucoup d'amour, on te suppliait de rien. Ta présence à l'Assemblée était pour toi une survie, en fait. Manquer à l'Assemblée, à moins vraiment qu'il y ait un problème ou tu as des problèmes de santé, ça c'est pour nous dire, mais vraiment qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse quoi que ça, et même qu'il n'y ait même personne à l'entrée. Toi, c'était toujours ta présence à l'Assemblée. Aujourd'hui, il faut beaucoup de formules, il faut peut-être essayer de pouvoir dire, bon, qu'on va regarder ici. Frères et sœurs, non, cet empressement, je parle bien de ceux qui étaient à l'époque, hein, cet empressement, vous l'avez, vous savez, même à l'université, vous avez cours, mais vous étiez votre cœur brûlé pour terminer les cours. À la maison, vous avez des réunions de prière.
Tous les jours, les lundis, les mardis, les samedis, les dimanches, les dimanches à la réunion, mercredi à la réunion, mais tous les jours de votre vie, c'était toujours, personne ne vous forçait. Vous sentez que c'était votre vie. Et puis votre vie, la vie était équilibrée, hein. Parce qu'aujourd'hui, ah, j'ai beaucoup d'examens, j'ai beaucoup de ceci, je reste à la maison pour pouvoir faire quoi? Pour faire des travaux, pour faire ceci, vous, bon, ne prenez pas toujours avec la case d'étudier, vous dites que j'ai jamais écouté d'abord, c'est important. Il y a des travaux, je peux pas faire ceci, voyez-vous, parce que là, j'ai, demain, je dois présenter un gros examen. Mais à l'époque, frères et sœurs, quand cet amour était dans notre cœur, et si l'abysse même si grand comme ça, demain c'est examen, mais le même jour-là, tu as l'assemblée, parce que tu t'es dit, mais à l'assemblée, ça me prendra combien de temps? Ne fût-ce qu'une heure. Puis je rentre, et puis même quand vous dites que je reste à la maison là, pour pouvoir faire mon gros étudier, mon syllabus, le gros là, tu ne l'étudies même pas. Tu ne l'étudies même pas. C'est quand l'assemblée est terminée, que les autres rentrent à la maison, qu'on te trouve dans les syllabus. Donc, en fait, mais c'est vrai. Il faut être sincère, effectivement, on dit, parce que pour quelle raison? Parce que toi, en tant que fils de Dieu, ta place n'est pas là, la place est dans l'assemblée pour louer ton Dieu. Nous l'avons expérimenté. Oui, on louait Dieu avec les examens, avec les syllabus. On venait même à l'assemblée, on prie, on sort, on prend les trams, on a les syllabus avec nous en train de lire pour gagner du temps pour arriver à la maison. Parce que dans les trams, je vais faire quoi? Quand je rentre, je donne un exemple. Je vais faire. Mais c'est bien, c'est vrai. Et nous avons ainsi là, en train de voir lire parce qu'on a terminé la réunion et puis on rationnait la maison. Mais on n'était pas en train de pouvoir rester à la maison pour, parce que, oh, et vous savez, je dois étudier, vous savez. Quand vous êtes arrivé à ce stade-là, c'est qu'il y a un problème dans votre marche spirituelle avec Dieu. Non, je parle aux étudiants, bien sûr que oui. Ben, ça va pas vous plaire et évidemment, vous pouvez justifier cela, mais quand vous justifiez, vous êtes dans, vous êtes, c'est pas vrai. Et c'est vrai ça, c'est que quand on veut vraiment, on sait équilibrer les temps. C'est vrai quand même, c'est la vérité. Hein? Hein? J'ai calculé, j'ai dit, je commence la réunion à 19h, je donne un exemple, à 19h, on termine vers 19h20, 20h, 21h, c'est presque 2h plus ou moins. 2h, mais alors, les autres heures qui restent là, quand je rentre, je peux étudier jusqu'à 2h, 21h, 22h, 23h, minuit. Une heure, je peux étudier. Parce que je ne pense pas que quand vous dormez, bon, peut-être c'est moi, mais moi je dors toujours, peut-être c'est le matin, mais je ne pense pas que même vous aussi, quand vous rentrez à la maison, vous êtes oh, non. Vous aimez faire ça, puis vous rentrez, ah, oh, il est une heure, il est 2h du matin. C'est sûr et certain. Donc, vous avez quand même arrivé à pouvoir gérer les temps. Il est bon, je vais lire, je fais ceci, mais d'abord, Dieu, je fais ceci. Ça, ce n'est pas une chose qu'on peut vous obliger. Mais en fait, vous-même, puisque vous aimez tellement Dieu, vous vous organisez quand même dans les choses à pouvoir faire. Ça, c'est quand on avait cet amour, cet empressement des choses qui sont des dieux. Et bien, quand on a ça, effectivement, frère, bon, bref, ça va, ne va pas rester longtemps là-bas. Je continue vite, maintenant. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous suivez cela? Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Vous vous rendez compte? Quel éloge. Tu ne peux pas supporter les méchants. Donc, quand quelqu'un vient te dire à l'oreille du mal de l'autre, toi, tu n'es pas là pour dire, ah, vraiment, vraiment, tu ne peux pas supporter ça. Tu dis, non, non, ça ne marche pas parce que ça me suit. Oh, tu as vu les frères, ce jour-là, il a fait ceci. Dis, non, non, les frères, reste mon frère, pardon. Moi, je vais aller au ciel. Je ne vais pas diminuer, mais je vais grandir davantage. Seigneur, aide-moi. Parce que vous savez, toutes ces choses-là qui viennent, vous savez ce que c'est, ça vous freine dans votre marche. Dans votre marche spirituelle, les oreilles tendues. Parce qu'il faut être sincère quand même. On aime tellement entendre des choses. Et puis, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a des frères et des sœurs qui parlent toujours du mal des gens. Pour dire, mais as-tu entendu à l'assemblée? As-tu entendu, frère, à l'assemblée, c'est pour prier Dieu. Jusqu'à quand ces démons-là, vous marcherez avec lui, frère, du colportage,
de parler du mal, de répéter toujours, oh, est-ce que tu étais au courant que ce qui s'est passé avec tel? Mais si c'est ta soeur ou ton frère qui est tombé, pourquoi le publier? Quel plaisir! Il faut être satanique. Maintenant, je vous demande une chose. Quand vous rencontrez un frère ou une soeur qui colporte des choses comme ça dans l'assemblée ici, venez me dire, on va le faire venir ici devant. Il faut qu'on passe par cela. Toi, soeur, qu'un frère va te dire, tu sais, les frères, effectivement, si toi, tu acceptes cela, tu seras maudit. Mais il faut que, mes frères et soeurs, quand elle vient te rapporter, tu dis, en tout cas, tiens, on va voir tel frère. Soit tu as dit ça, moi je vais le voir avec toi. Et puis ici, là, vous l'amenez, dit, on va voir le pasteur. Je l'amènerai ici, on l'amène ici. Il dit, voilà, frère, soeur, voilà ce que toi tu as dit. Mon frère, on ne peut pas continuer comme ça, ma soeur. Ça, à l'extérieur, mais pas dans les choses, dans la maison de Dieu, quand même. Nous voulons progresser, vous nous ramenez en arrière. Nous n'avons pas d'entendre ce que les autres ont fait. Nous voulons entendre les témoignages de merveille. Ah, que le Seigneur, nous avons prié, Dieu a fait. Et ceci est cela. C'est toujours ça, parce qu'il faut des témoignages, effectivement. Quand quelqu'un a fait du mal, la Bible dit, va trouver ton frère. Tu parles avec ton frère. Arrêtez quand même tout. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dedans, mon frère. Que Dieu nous aide. Non, mais c'est vrai, frères et sœurs. Il faut que vous arrêtiez. On n'est pas ici pour donner la nourriture aux démons. On est ici pour donner la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Alors, si vous vous sentez que Satan est bon pour vous, frères et sœurs, vous n'avez pas votre place ici. Vous n'êtes même pas notre frère. Parce que, et notre frère, c'est lui qui a Christ dans sa vie. C'est lui qui aime le Seigneur. Mais quand vous n'aimez pas le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ce qui est écrit, tu l'as bien dit, ma soeur. C'est bien dit, maudit, et quiconque n'aime pas le Seigneur Jésus. Vous, frères, vous, sœurs, parce que ce que vous avez entendu ce soir, allez rapporter aussi à vos autres. Hein. Voilà ce qu'on nous a enseigné. Que si maintenant quelqu'un vient me parler du mal l'un, et l'autre, effectivement, si moi je garde cela, je suis aussi maudit, alors il faut que je puisse mettre en ordre. Tu viens me parler de ceci, appelle la personne. Voilà. Tu veux. Oh, enfin, non, tu arrêtes d'abord. Tu me parles que. Tu vois, les frères Jean-Victor. Comment je peux citer un. Comme ça. Jean Gabin. Il va dire là, tu dis bon, tu as dit frère Jean Gabin. Ok. On reste ici. Frère Jean Gabin, tu peux venir parce que la soeur est là que je vais pouvoir te dire. Ah ben oui. Frère Jean Gabin, viens là. Mais la sœur, tu m'as dit que frère Jean Gabin, ça. Alors répète-moi très bien ta bouche ce que tu voulais me dire, frère Jean Gabin, d'ici. Non, frère et sœur, on doit arriver à ça. Sinon, vous allez porter aussi le même péché que l'autre. Que Dieu nous aide. On doit considérer les choses de Dieu. Ne portez pas la malédiction, frère et sœur, portez la bénédiction. On vient te rapporter. Tu dis ça ou bien frère, en tout cas, pardon, moi je ne vais pas entendre, mais attends là, tu vas parler de Jean Gabin. J'appelle, ou on appelle Jean Gabin. Après, tu vas poser la question, mais est-ce que tu as d'abord été voir Jean Gabin? Parce que si c'est Jean Gabin, oh non, c'est Joséphine qui m'a parlé, Seigneur. Et tu dis que Joséphine t'a parlé de Jean Gabin. Tu ne sais même pas si c'est que Joséphine t'a parlé vrai, et toi tu veux me les mettre maintenant, dans mon cœur, pour que quand moi je vois Jean Gabin, je déteste Jean Gabin. Oh, Joséphine a eu un problème avec Jean Gabin. Il ne s'est même pas réglé le problème. Et puis, il a commencé à justifier son problème en passant par toi et par nous, effectivement. Et vous savez ce qui va se passer? Mais toute l'assemblée, il est pauvre, il sera ici. Louez l'éternel, oui, car il est bon. Louez l'éternel, oui, car il est bon. Pourquoi? Parce que le cœur est souillé. On a tellement parlé du mal, dit, mais frère, on n'entend pas, il est pauvre, il est là. Il dit, mais il souffre, il dit, mais allez, lui l'éternel, pas bon. Mais vous, là, ça sort même pas. On a beau vous donner les micros, ça sort même pas.
Pourquoi? Parce que les cœurs essuyés, lourds, Satan a pris la paix, effectivement. On ne sait plus louer Dieu. Il faut qu'on force, qu'on force, qu'on force pour que les démons passent. Et c'est ça, ce problème. Vous ne devez pas vous supplier pour ça, frère et sœur. Louer l'Éternel, il est là, il a l'onction en plus, ça se répand là-bas. Et on sent les saints descendre, effectivement, oui, c'est vrai. Amen, amen. Oui, ça prend les guitaristes, ça prend les blablabla, ça prend ça. Mais ça chauffe ici, mais les voisins vont venir. Il dit, mais vraiment, Dieu est là-bas. Mais pourquoi les voisins ne viennent pas? Amen. Mais c'est vous qui freinez les voisins de venir. Cette flamme-là n'est plus là. C'est devenu effectivement des c'est pas moi, dans tout. C'est que Dieu nous aide. Enfin, je vais être bref. Oui. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne sont pas, que tu as trouvé menteur. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Vous savez, non? Vous n'avez pas voulu être toujours avec les nobles. Bref. Ah oui, c'est vrai, c'est le problème. Mais vous avez toujours voulu combattre pour le nom de Jésus. C'est cela. Vous savez, c'est vrai, frère. C'est le nom de Jésus, notre Seigneur, ce n'est pas un nom qui est aimé. Ça, c'est sûr et certain. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre effectivement ces choses. Il dit, tu as souffert parce que tenir ferme à ces noms-là, on va te mépriser. Tu seras combattu, tu seras haï. Il a même dit, hein, vous serez haï à cause de mon nom. Voilà. Alors il dit, mais écoute bien, tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que quelque chose s'est passé. Parce que avec des loges comme celui-ci, il ne peut pas avoir quelque chose contre toi. Parce qu'en fait, à un moment, tu étais comme cela, donc élevé, donc ça dit que quand il te regardait, il dit, oh là là. Mais quelque chose s'est glissé. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu tellement trop intellectuel. C'est ça le nicolaïsme, en fait. Voilà. Et quand ça rentre, les raisonnements rentrent, tu n'as plus. C'est parce que tu sais, vous savez. Quand on le reçoit, on est comme un enfant, en fait. C'est la vérité. Je vous ramène à quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais c'est comme quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient tout nus. Ils ne voyaient même pas ça. Mais il faut que quelque chose soit rentré pour te refroidir et qu'ils disent, oh, je suis nu. Et c'est pour ça qu'il dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger. C'est ça le problème. Le mal rentre, la flamme s'éteint. Trop de raisonnement. Tu dis, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ses ailes, ses premiers amours, qui n'étaient que celle la parole de Dieu, celle ce que Dieu a dit. Mais tu vas courir à gauche, à droite, écouter de toutes les saintetés possibles. Et que tu considères comme étant la parole de Dieu, mais qui ne sont pas. Seul un élu peut arriver à pouvoir sentir que ça c'est de Dieu et ça c'est pas de Dieu. Dans un temps où nous sommes, tout le monde va ramasser n'importe quoi. Mais l'élu va sentir. Ça ne correspond pas à la chose effectivement cela. Alors, il dit, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, c'est cela, ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est ça la raison pour laquelle nous avons besoin de la repentance. C'est que on s'est rendu compte qu'effectivement qu'on s'est glissé dans une autre voie. Parce qu'il faut quand même être conscient, quand même toi, en tant que fils, tu sens que l'examen du Seigneur, la flamme que j'avais auparavant, non, non.
Ce n'est qu'un fils de Dieu qui peut se remettre en question. Seigneur, je n'étais pas comme ça auparavant. Maintenant, si je lis les psaumes, dit quand la nuit même mon cœur, mes yeux, avant je l'expérimentais moi-même. Maintenant, ça devient comme pour moi seulement une parole que j'ai lue. Mais avant, si l'expérimentais, quand je dormais, je me réveille, j'avais l'inspiration. Les cantiques montaient dans mon cœur. Et ceci et cela, Seigneur, quand je me réveille, je vois, même la nuit, quand je dors, je peux voir ce qui va se passer le matin. Dans les songes, tu me montrais, oui, aujourd'hui, on est devenu aveugle. C'est ça le problème. Un fils de Dieu, une fille de Dieu se remet en question. Seigneur, non, je vois que cette flamme n'est pas là. À ce moment-là, on cherche la face de Dieu. Seigneur, il y a quelque chose qui me manque. Comme la femme qui avait 10 grammes dans Luc 15. Il y avait 10 grammes, il en a perdu une. Donc il s'est rendu compte quand même qu'elle en avait 10, mais elle en a perdu une. Elle a pris les balais, elle a commencé à balayer. Il cherchait la gamme, il dit, mais les gens disent, mais qu'est-ce que j'ai perdu une. Parce que tu dois te rendre compte que tu as perdu quelque chose. Tu dois dire, avant j'étais pas comme ça, Seigneur. Sauve-moi, oh Dieu. Oui, ces cris doivent sortir de toi. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, et notre cœur se tient devant ton trône de grâce. Nous sentons que nous avons vraiment besoin de toi. Et encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, Père, nous voulons vraiment que tu puisses agir encore dans notre cœur. Nous revenons à toi, t'implorons la grâce, mon roi, que la flamme qui était au début, cette flamme aussi forte, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui nous poussait davantage à passer de veille dans la nuit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, où nous pouvons nous tenir là, à chercher ta face, parce que nous te désirons encore davantage, mon roi, que tu puisses nous aider, mon bien-aimé Père. C'est le désir de notre cœur, de notre âme aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et comme tu l'as dit dans ta parole, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et accorde-nous encore la grâce, mon roi. Nous sentons que tu veux faire quelque chose dans chacun de nos pères, Dieu. Tu veux vraiment nous positionner pour que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que toi, tu nous as promis, mon bien-aimé Père Dieu. Tu as dit ce que les Yélek, les Asiel, les Gazamou ont dévoré, j'ai le je vous restaurerai toutes ces années perdues, mon bénévole Père Saint-Dieu. Ces ailes, notre foi, cet amour, notre foi, où nous pouvons nous rassembler, Père Saint-Dieu, et te chantant vraiment avec autant d'empressement, autant de zèle, sans être supplié, où tu descendais, Seigneur Jésus, où tu manifestais encore des grandes choses parmi nous. Nous soupirons après cela, mon bénévole Père Saint-Dieu, c'est vrai. Toi, tu ne diminues pas dans les temps, mon bénévole Père Saint-Dieu. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne voulons pas non plus, Père Saint-Dieu, régresser, Père Dieu. Et nous voulons vraiment réaliser qu'il nous manque quelque chose, mon roi. Comme cette femme avait perdu la drachme. Elle a balayé, elle a tout fait sortir dans sa maison. Elle a pris la lampe, mon roi. Elle a balayé, elle a cherché pour pouvoir trouver la drachme qu'elle avait perdue, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous aussi, nous avons perdu quelque chose, mon roi. Puisses-tu nous aider, Père Saint-Dieu. Oh, Samson se souvenait. Oh Dieu, comment à l'époque il était, mon bénévole Père Saint-Dieu. Lorsqu'il a vendu, Père Tibisson, les secrets. Et qu'il est devenu tellement si faible, mon bénévole Père Saint-Dieu. Il ne voit plus rien faire, mon bénévole Père Saint-Dieu. Il a commencé à pouvoir pleurer. Il dit, Seigneur, encore une fois, mon sauveur. Aujourd'hui, encore ce soir, nous tenons devant ton trône de grâce et de souviens. Souviens-toi de mes frères et sœurs, de nos enfants, nos petits-enfants aussi, Père Saint-Dieu, et partout où ils sont, Seigneur, comme au jour d'autrefois, comme nous le chantons, près de nous, ces jours heureux, quand le Saint-Esprit agissait encore davantage, mon roi, et cet amour de Dieu était vraiment vrai parmi nous encore, mon roi. Nous voulons revivre cela, mon bénévole Père. Sois béni et sois glorifié, Père. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié dans le nom Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah,
c'est lui qui sera vainqueur. Vous le connaissez? Merci, mon grand. Dieu te bénisse. Ah. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, victoire. Alléluia, alléluia, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi. Ils seront tous et par l'agneau, sa promesse est scellée. Victoire, alléluia, alléluia, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, victoire, alléluia, alléluia, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Veux-tu Dieu en blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, alléluia, alléluia, honneur et louange. Sur son trône et de ses